Oui, il y a une question importante associée au terme d'éditorialisation. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où les réalisations matérielles du travail intellectuel sont visibles partout. La circulation des documents est la réalité même de notre contexte contemporain. En conséquence, si les philosophes jusqu'ici pouvaient considérer que la réalité était un domaine abstrait, lointain, que leurs concepts arrivaient peu à peu à décrire, mais qui échappait à leur filet, nous sommes dans une situation relativement différente, puisque la réalité se présente à nous sous de multiples formes qui sont toutes déjà interprétées, filtrées, présentées d'une certaine façon, mais qui en même temps, à chaque fois, nous posent des questions sur leur contexte, leurs références, les horizons de sens à travers lesquels ces réalités qui nous proviennent des écrans, des conférences, des réflexions, des partages de données, se présentent à nous. Ici, le concept d'éditorialisation se substitue philosophiquement aux idées qui avaient pu être celles, par exemple, de l'école phénoménologique, quand on parlait de la réduction eidétique et de concepts de ce type que je ne vais pas développer maintenant, mais qui visaient toutes à essayer de réduire l'écart qu'il pouvait y avoir entre les mots et les concepts que nous employons et les sensations, les impressions, les perceptions, les souvenirs que nous pouvions avoir de notre rapport constant à une réalité souterraine, sous-jacente, inspirant nos réflexions, soutenant notre corps et formant les bases de notre langage. Et ici, un concept encore exploratoire comme celui d'éditorialisation esquisse la nouvelle manière que nous pouvons avoir de nous rapporter à nos instruments, à nos écrans, à nos interprétations, à nos références, en sachant que notre réalité est beaucoup plus faite des références que nous partageons et que nous échangeons que des sensations ou des perceptions singulières qui faisaient le propos des philosophes des anciennes générations.